Tu as vu la baie ici, c'est ça le pollen qu'elle a en main, qu'elle a entre ses pattes. Mmh. Ah, elle vient de partir. Elle vient de partir. Ok. La récolte de le temps nécessaire, le temps normal, oui, c'est combien de temps? Hmm? Après combien est-ce que la ruche colombienne vient après 6 mois? Voilà la première récolte. Tout dépend. Vas-y, on filme un peu. En tout cas, ça peut nous aider tout à l'heure. Ouais. Tout dépend de la zone où j'ai posé la ruche. Et du suivi, c'est bien. Comment le son? C'est operculé, non? Quand c'est comme ça, on dit que le miel est operculé. Vous voyez comment? La fine couche ici. Ça veut dire que c'est un miel mûr. Vous voyez un peu? C'est ça le miel mûr. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut le récolter. Ça vraiment, c'est du fou tout. Hein? Et que quand c'est pas bien suivi là, ça donne beaucoup de fil à l'arbre. C'est trop de fumée aussi. On va laisser, ça peut mettre, on va laisser un arrière-goût de fumée si on en fume aussi trop. Ça tombe, non? Moi, c'est en train de lâcher tellement c'est mieux. C'est tout? Alors, ça?
couteau. Ouais, c'est bon. Je pense que j'aurais dû essayer ça comme ça. Comment ils sont en train de consommer? Elle consomme du miel. Oui, non, tu crois que c'est déjà ouvert? Va comment les. C'est déjà ouvert là, tu crois qu'elle consomme quoi? Oui. Donc normalement, ça doit refermer. Oui, comme fermé, comme ici au-dessus, non? Oui. Mmh. Elle a commencé à consommer là. Tu as vu, ça doit être fermé comme ça. Mmh. Mmh. Et ça, on parlait du miel nu, miel au perculé. Ouais. Et plus le temps passe, plus tu ne viens pas chercher. Bon, continue. Couteau. Arrête. C'est un couteau, tu n'as pas le choix. On est obligé de retirer ça pour qu'elle commence à construire de nouveaux verres. Regarde ça. Couteau. Comment? C'est tellement serré qu'elle colle même ça sur. Du côté de la ruche, pareil. Je suis la pointille, tu vois ce qui se passe. Tu vois, c'est ça, le miel nu. Quand c'est comme ça, on vient récolter. Tu sais, là, tu as même une sac, hein, pour rentrer là-bas. Et aussi, lorsqu'on fait une récolte, hein, on ne récolte pas tout le miel dans une ruche. Tu vois? On récolte toujours les trois quarts. Hmm? Toujours les trois quarts du miel dans la ruche. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser les réserves, non? Pour que ces abeilles puissent consommer après. Ok? Il faut toujours laisser les réserves pour elles. Plutôt? Merci. Là, on est obligé de faire quand même quelque chose de assez compliqué parce que là, on a besoin d'espace. Si on n'a pas d'espace, mais ça va là. Voilà, un très bon support parce que là, c'est une superbe colonie. Si possible, on va venir poser une hausse. Plutôt. Tu regardes un peu l'intérieur là, on va voir ça ensemble. Oh, comment ça, c'est un vieux rayon, très vieux. On va consommer là. Quand la ruche n'est pas bien, ça complique le travail, non? Quand les abeilles ne construisent pas, mais ça bien. Oh. Voilà. Ce rayon est beaucoup plus mûr que les premiers qu'on a montrés. Vous voyez comment il est un peu plus sombre, non? Voilà. Ça veut dire qu'il est bien mûr. Oh, dans l'autre qui est beaucoup plus clair là,
ça sent encore une teneur en eau élevée à l'intérieur de ce miel. Vous voyez un peu, vous allez forcément vous rendre compte que, mais comment se fait-il que le miel ici est plus dense, l'autre est plus léger, plus liquide. Ça, c'est on parle en scène de teneur en eau. Quand c'est opéculé et sombre comme ça, ça veut dire que ce miel est beaucoup plus mûr. Couteau. Ça veut dire que... Ah, ça. Ça veut dire que pour cette ruche à la maturité, elle devait produire une bonne quantité de miel. Oui, oui, oui. Je suis déjà mature, mais c'est juste qu'on a raté la précédente récolte. Parce que ce sont des vieux rayons là. La récolte de juillet n'a pas été faite. On voit qu'elles ont consommé. C'est avec ces vieux rayons là. Quelle force, tu vois comment? Même jusque là, ces rayons sont fixés au sol. Regarde comment elles viennent jusqu'en bas de la ruche couteau pour essayer de mettre les rayons. Tu vois? Parce qu'il manque d'espace. Et il faut retirer. Il faut donc. Cette ruche est colonisée. Bon, arrête de savoir. Voilà pourquoi, si vous ne vous préparez pas bien, la récolte risque d'être difficile. Tu vois un peu. Est-ce que c'est difficile? Ah, elle est colonisée. Je cherche un support. On pourrait placer celle-ci. Voilà, parfois on ne va pas placer. Là, ouais.